J'ai des lettres. Je trouve ça des lettres d'injures. Souvent, mais c'est anonyme, ça commence par Monsieur Mohamed Ali Kabu. C'est le péniste qui m'écrit. Qu'est-ce que vous voulez Oui, montrer là? toujours le golf, c'est la roue de la fortune, nouvelle manière, avec les cercueils qui tournent. Au hasard, la chance. Le golf toujours très inspiré, même si cette guerre se termine bientôt. Alors est-ce que la grosse Bertha pourra poursuivre sa diffusion? Est-ce que vous pourriez accueillir Cabu au Figaro, Gisbert? Je ne sais pas, c'est plutôt à lui qu'il faudrait poser la question. Oui, mais est-ce non, que... mais, moi, non, oui, Bon, évidemment, il y a des dessins extrêmement drôles de Cabu qu'on en... j'aimerais volontiers publier au Figaro. Oui. Mais pas dans la page 2, hein, vous ne mettriez pas dans la page 2. Hein. Ouais. Surtout à côté du courrier des lecteurs, je ne sais pas si vous voyez le courrier des lecteurs. Trois quarts de l'opéniste. Comment non, vous pouvez supporter non, ça non, non. Ah si, ah si. Non. Ah si, faites le compte, vous verrez. Ouais. Mais vous êtes d'accord, vous pensez aussi que on a le droit de censurer, enfin quand on dirige un journal. Vous avez le droit de faire un choix. Oui, c'est un droit de faire un choix. Mais ne mettez pas de côté toujours les mêmes thèmes, c'est-à-dire la mort, l'armée, la religion, vous voyez? Parce que voyez-vous, dans ces dessins, il n'y a pratiquement, je crois, aucun que j'aurais aimé publier. Peut-être un ou deux. C'est bien, parce que si j'avais eu une bonne critique du Figaro, je me serais dit, merde, je me suis planté. Hein. Alors ça, ouf. C'est le personnage qui embête tout le monde, qui n'a aucun doute. Alors lui, il a que des convictions, et il représente le bon sens français, mais il ne se rend pas compte qu'il est complètement manipulé. Quoi. Le bon sens va toujours dans le sens de l'idéologie du moment, dominante, comme par hasard. Il est partout chez lui, quoi. Il est à l'aise. Il est à l'aise dans cette société. Les centrales nucléaires, il en faut. L'armée, tous les pays en ont. C'est pas vrai. Il y a un pays qui n'a pas d'armée. Lequel? Le Costa Rica. Ouais. Et l'Islande. Mais enfin, ils ont une base de l'OTAN chez eux. Bon. Je constate que cette France profonde-là n'a rien empêché du tout. Ils ont adhéré au modèle américain tout à fait. Ils vont dans les supermarchés. Et donc, c'est un personnage négatif, parce que il ne sert à rien. Il ne sert à rien pour conserver ce que j'aime, moi, par exemple. Parce qu'il y a des choses que j'aime dans la France profonde. Quoi? Eh bien, tout ce qui n'est pas encore bétonné, par exemple. Moi, je suis un passéiste, sûrement. Mmh. Oui. Vous êtes un passéiste? Sûrement, parce que... Mmh. Oui, mais alors, être passéiste, c'est être contre les centrales nucléaires... contre l'armée, qu'est-ce que vous voulez, oui. Parce que le beauf aime le progrès. Ah oui, alors il veut surtout pas être en retard d'un progrès, alors il avale tout. Oui. Les chasseurs sont des beaufs. Oh, ah vous n'aimez pas les chasseurs, voilà, non plus. En première ligne. Ah bon? Ah oui. Ah, évidemment. Juste après les militaires. Ah bon? Oui. Parce que ça, c'est Cavanna qui dit ça, c'est quand même extraordinaire que les animaux, eux, ils ne défilent pas pour regarder passer un défilé de lapins, par exemple, avec des couteaux. Et nous les hommes, en fait, on fait ça. On a défilé le 14 juillet avec nos armes, avec ce qui va servir à nous détruire. Ouais. Non, ça vous choque pas? Non, pas du tout, je vous écoute, moi. Il faut dire que Charlie Hebdo n'est possible que dans très peu de pays, dont la France. Ouais. C'est vrai. Mais c'est pour ça, moi je défends certains trucs de nos institutions, par exemple. On a arraché toutes ces libertés et il faut faire attention de les conserver. Et je crois que c'est le rôle de Charlie Hebdo, quand même. Mais vous assumez tous les dessins? Dans ce livre? Oui. Oui. Parce que moi, j'aime beaucoup Camus, mais c'est vrai que certains de ses dessins, ici, là, sont limites. On comprend très bien qu'ils aient été, comme il dit, interdits. Ouais. Hein? Mais vous savez, moi, je trouve que je suis encore très gentil, parce que avec tout ce qu'on nous ingurgite tous les jours, avec tout, dans ce monde dans lequel on vit, dans lequel je vis, je trouve que je suis... en dessous de ce que je devrais être. Je fais un métier de provocation, c'est sûr, de réflexion. Vous pourriez être encore plus méchant. Ah oui, je trouve que... Vous n'êtes pas assez. Ah oui, je ne suis pas assez méchant, oui. J'ai toujours envie de rigoler, de me venger. Finalement, j'ai un mauvais fond, je crois. Parce que je dessine pour me venger de tout ce que j'entends, de tout ce que je vois. Un dessinateur, c'est un clown, c'est un bouffon. À qui on permet de temps en temps de dire la vérité, mais surtout de faire rire, quoi, c'est ça. Est-ce que le monde est toujours aussi noir que ses dessins? Non, c'est
c'est pour qu'ils ne deviennent pas aussi noirs que je leur présente comme ça, je crois. Étant écolo, je pense que on va normalement, on va bientôt crever, quoi. J'en suis persuadé, et ça se rapproche, hein. C'est vrai, t'en reviens pas toi non plus. Et ben moi non plus. Cabu s'est réveillé, il est avec nous aujourd'hui. C'est gentil de venir, Cabu. Pour faire le métier que je fais, il n'y a pas d'école, mais enfin... j'ai commencé par faire un journal au lycée. Mais disons, tout de suite, dès le départ, tu voulais... tu dessinais tout le temps. Oui, à l'école, c'est ce que tu faisais, non? C'est traditionnel, quoi. Dès l'âge de 12 ans, j'avais envie de faire des dessins dans les journaux. Dans les journaux? Oui, parce que quand j'étais petit, il n'y avait pas encore de télévision, tu vois. Il y a longtemps, alors. Enfin, c'était les débuts de la télévision. Alors, j'ai fait un petit journal où j'étais le rédacteur en chef. Je distribuais, je le vendais, tu vois. Je faisais tout. Et je faisais une page de dessin pour passer mes dessins. Oui, parce que c'est le moyen d'avoir ses propres dessins dans un journal, je veux dire. Et après, à 15 ans et demi, je suis allé voir le rédacteur en chef d'un journal régional qui s'appelle L'Union de Reims. Et ils m'ont passé des dessins. Au début, un par semaine. Puis après, j'en avais presque chaque jour. J'ai appris à dessiner là. J'allais au conseil municipal, je faisais des caricatures des... Déjà? Déjà, oui. À 15 ans? Oui, à 15 ans, oui. C'est assez surprenant, quand même. Alors, à partir du moment où t'es imprimé, tu vois tes défauts. Tu vois mieux tes défauts, parce que les dessins sont réduits, tu vois. C'est vrai, je suis parti à 20 ans en Algérie, en 58. Je connaissais rien à rien. Et je suis revenu, j'avais quand même compris quelques choses de la vie politique et... Peut-être pas international comme vous disiez, mais je suis resté anti-militariste en tout cas, c'est vrai. J'ai trouvé aucune camaraderie, sinon la camaraderie que donne que procure la boisson, la phallocratie, enfin tous les excès, tous les vices humains sont révélés et sont d'ailleurs si vous développés dans une caserne. Alors venez pas me dire que à la caserne vous avez trouvé une amitié, vous avez trouvé des gens qui pensaient comme vous et qui c'était ça l'amitié comme ça. On nous désigne toujours un ennemi, mais là je voudrais demander au capitaine justement Lamarre. Bah, demandez-lui, c'est une bonne occasion. Si vous aviez l'impression en Indochine de défendre la patrie, est-ce qu'il y avait une agression aux frontières de la France? Vous étiez à 10 000 km de la France, je ne comprends pas ce que vous faisiez en Indochine. Bon. D'abord monsieur Jabu, moi je n'ai pas été en Indochine. Ah bon, je n'avais pas l'âge de l'Indochine. C'est un roman. Ah oui, c'est un roman. C'est un roman. Parce que je n'étais pas sur Citerre, je suis parti vraiment à 20 ans, en mars 58. Et je suis parti en civil. Et on était tondu en arrivant et habillé en militaire. Et là, j'ai fait mon instruction civique, si tu veux, là-bas. J'étais bête parce que je dessinais dans l'Union de Reims, mais ce qui n'était pas un journal engagé, si tu veux. Et c'est vraiment en Algérie que j'ai compris que, malheureusement, j'avais participé... malgré moi, à la dernière guerre coloniale, quand même, c'est vrai. J'ai tué personne, par chance. Alors voilà, t'étais là, t'avais quel âge à peu près? Ben, j'avais 5 ans, là. 5 ans? Oui. T'étais mignon, t'étais tout beau, dis donc. Tu teins les cheveux? Ben non, j'étais blanc, c'est vrai. Bon, ça, c'est la tête qu'on connaît, hein. Oui, un peu plus jeune, mais pas tellement. Ouais, ouais. Et t'as été militaire? Oui, j'étais militaire, là. Ouais, ben, c'est pas mal avec les cheveux courts. Le plus mauvais souvenir de ma vie. Bon, puis là, on connaît. Ça, c'était une émission sur le Canada. Tu te rappelles, il y avait les Indiens sur le plateau. Oui. Elle est belle, ma voiture. Elle est belle. J'avais jamais vu filmer comme ça, c'est formidable. C'est vrai? Ah oui, c'est bien fait. Hein. Tu es content qu'on l'ait filmé? Ah oui. Voilà. Si vous pouvez me donner la cassette. on n'a pas de mérite à être à être souriant dans la vie parce que ça psychanalyse toute la journée dans nos dessins. Mm-hmm. Ce qui nous permet quand même de souffler après, tu vois, quand tu. C'est vrai que tu dis beaucoup de ce que t'as, de ce que tu penses dans tes dessins. Enfin, le rêve, c'est ça. Mmh. Donc après, bon, tu peux être de bonne humeur. Tu peux être de bonne humeur. Une fois que tu t'es défoulé en dessinant, voilà, c'est ça. On se défoule. Oui, ouais. C'est vrai. Bon. On doit pouvoir rire de tout. C'est une défense aussi. C'est pas parce qu'on est sans cœur. C'est parce que
tu te défends, qu'est-ce que tu veux? Tu sais que tu vas mourir un jour, et en attendant, tu essaies de passer le temps le plus agréablement possible. C'est tout ce que tu peux faire. Ouais. Donc, et si, je te dis, si j'ai le cancer un jour, il faut que je rigole avec le cancer. Mm-hmm. Ça sera une défense. Je ne sais pas si je saurais, hein, remarque. Hein. Quand il boit du champagne, ça lui monte vite à la tête. Et à ce moment-là, on lui fait chanter Charles Trenet, comme toujours. Il connaît tout Charles Trenet par cœur. Alors, je me souviens d'un soir, à l'époque des débuts d'Harakiri, où il nous a chanté tout Charles Trenet debout sur une table. Sans cela, je n'ai pas que des bons souvenirs. On a partagé des souvenirs tristes avec Cabu. On n'a pas eu que des joies, on a eu pas mal de peines, on a eu des morts, on a eu des faillites, on a eu des interdictions, et tout ça, on l'a partagé aussi. Et c'est ça qui fait l'amitié. Ça, c'est un ami de toujours, parce que c'est vrai qu'on était ensemble au début d'Harakiri, en 1960. Oui. T'as qu'à voir, lui, il revenait du service militaire, et moi aussi. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas très brillant. Et Volinsky, j'aime beaucoup, parce qu'en plus, c'est un des types les plus drôles dans la vie. La plupart des dessinateurs sont pas drôles dans la vie, parce que, bon, c'est les dessins qui sont intéressants. Mais lui, il pourrait, quand ça marchera plus, il pourra faire un numéro de cabaret, oui, oui. À Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval. À l'auberge de la berge, je chaussais rire mon cheval. Mes fantasques comme un masque, je courus droit au corso, en chantant dans la bourrasque ce refrain de Caruso. Quand j'étais jeune en dette, en dentelle, en bois des pétards, je pensais pour voir ma belle à travers cheminées et placards. Dans la rue, la cohue, une belle signorina me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras, et sa mère en colère nous menace et crie là-bas. Ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier du guet, je suis veuve et sans famille, je suis vieille et je suis fatiguée. La bonne vieille, tout en larmes, va se plaindre au carabinier. Elle explique à des gendarmes que sa fille est partie à pied. Mais c'est là, la seconde des masques, en gendarme déguisé. Sous le char de la tarasque, il ne pense qu'à s'amuser. Il entraîne dans la ronde, lui rabatte les jupes sur le nez. Ils lui disent qu'elle n'est pas blonde et font mine de l'assassiner. Une danse, ça commence, on ne sait pas, non quand ça finit. Une belle ribambelle peut durer la vie de la nuit. Nous, les dessinateurs, on n'a jamais d'ennui avec les hommes politiques. Oui. C'est toujours les militaires, les religieux. Oui. Vous avez eu plusieurs procès pour antimilitarisme déclaré. Six procès avec l'armée. Ni l'un ni l'autre. N'étions des communistes à aucun moment de notre vie. Mmh. Donc on a rien, on n'a pas de... Rien à prouver, on n'a pas de vieilles images à effacer, c'est ça. Bien sûr. Ni de vieux regrets. Ça n'a jamais été notre idéal, notre modèle, lui reste donc, on regarde ça tranquillement. Oui. Oui. La solution pour arrêter le Baron Noir, c'était de remettre King Kong, oui. Qui ressemble fortement au ministre Antaria. Actuellement, on s'embrasse, mais qui va reprendre de l'activité. Comment voulez-vous que... L'insécurité recule, comment voulez-vous que je vous en parle? Cabu, c'est de l'enquête. C'est plus une démarche, je dirais, journalistique. Oui, c'est vraiment, on prend un problème, on va dans un village ou dans une ville et on enquête. Et au lieu de faire un article écrit ou un reportage de télévision, comme nous en verrons un tout à l'heure, vous faites une enquête par dessin. C'est ça, oui. Alors ça donne la France des beaufs. Si je veux dire, c'est pas tellement réjouissant non plus pour les 53 millions de Français, la France des beaufs. Est-ce que vous voulez, c'est mon guide à moi, c'est le guide de l'été, quoi. C'est... Évidemment, il y a un parti pris, j'ai pas cherché les... Donc si on vous suit dans votre guide, on va se retrouver tous passer nos vacances au pied de centrale nucléaire. Ben vous savez, il reste plus beaucoup d'endroits où il n'y a pas de centrale nucléaire, à peu près que le massif central. Oui, mais là, il y a des manufactures d'armes. Oui, oui, oui. comment procédez-vous pour ces enquêtes Ben, vous savez, je contacte les lecteurs de Charlie Hebdo. Je crois qu'on a la chance... Vous avez des informateurs, alors. Oui, de travailler dans un journal où on a des relations un peu plus privilégiées que dans les autres journaux, je crois, on finit par connaître nos lecteurs. Et c'est souvent eux qui m'envoient un petit mot en me disant « Tu devrais venir dans mon coin, il y a une usine d'armement où on est en train de construire une centrale nucléaire. » C'est un dessinateur qui
a besoin d'un seul regard pour stocker tout de suite tout ce qui va dans sa tête. Je l'ai vu un jour dessiner avec la main dans la poche et il nous a sorti un beau petit croquis qu'il avait dessiné en ayant le stylo dans la poche. Hein. Il massacre à peu près tout ce qui bouge. C'est un peu notre maître à tous. Alors Jean, qu'aurais-tu aimé faire si tu avais été incapable de dessiner ou si tu n'avais pas pu dessiner? Je peux te répondre, j'aurais voulu être ou Cap Calloway ou Charles Trenet. Ouais. Toi, l'un ou l'autre? Oui. Plutôt Charles Trenet, j'ai l'impression. Quoique non, pour faire Charles Trenet, il faut écrire les chansons d'abord. Tandis que Cap Calloway ne composait pas ses chansons. Et demain, chantez-les mes chansons, qu'elles gardent ta foison, la joie dans votre maison. Mais je crois pas ça, tu dessines la main dans la poche? Oui, alors ça c'est pour faire des reportages. Quand vous êtes devant un CRS, parce que j'avais fait ça devant un CRS, et j'avais mon manteau, et c'est vrai que j'ai dessiné sa tête dans ma poche. Avec un petit crayon comme ça, tu peux très bien. Étonnant quand même, ouais. Alors tu prends, c'est toujours un crayon sur toi. Oui. Et dans ta poche, surtout ta poche de manteau, tu peux prendre de la sténo, hein, tu prends le nez comme ça, même si ça colle pas, après tu reconstitues. Ce qui est important, c'est d'avoir l'œil et le nez, quoi. Ça. Parce que aussi, il faut dire que je faisais partie du contingent et il se méfiait du contingent quand même. Et quand nous étions en opération, on entourait, tu vois, on faisait un grand cercle comme ça de 5 km de rayon. Et on était censé tirer sur tout ce qui fuyait. Mais on n'a jamais vu de fuyard, parce qu'au milieu de cette zone, là, on voyait de la fumée. Et c'était les paras et les légions qui étaient aéroportés et qui faisaient des prisonniers ou qui n'en faisaient pas. Voilà. Donc ça a duré 27 mois, c'était très long. Mais là aussi, j'ai connu l'adjudant Cronenbourg. Il existait, il ne s'appelait pas Cronenbourg, évidemment. Mais il était quand même bourré à 10h du matin. Et on dépendait de lui, Et surtout ceux qui s'appliquaient à être des bons tireurs, tu sais, comme à la kermesse ou à la fête à Neuneu. Il fallait surtout pas être bon au tir parce que tu étais envoyé comme éclaireur de pointe. Ça veut dire la nuit, quand tu partais en opération, tu étais le premier tué d'embuscade, tu vois. Cette période est évidemment très, très marquante. Après, tu rentres en France et tu travailles pour différents journaux. Tu as travaillé pour Le Figaro, d'ailleurs. Tu faisais des dessins Avant R100. Hein. Ouais, j'aurais jamais travaillé, oui. Non, bien sûr. Non. On est là au tout début des années 60. Et tu travailles notamment, tu fais des croquis de procès. Hein, voilà. Et puis, tu fais des croquis aussi sur la vie parisienne. Voilà. Figure-toi que j'ai succédé dans Figaro Spectacle, les pages spectacle, à Senep, qui était parti. Et pendant 2 ans, j'ai fait des croquis de théâtre. J'aimais bien, d'ailleurs. Et puis, ils m'ont fait faire les dessins pour le procès Ben Barka, que j'ai suivi pendant 45 jours. Et j'assistais à tout. Et le soir, j'allais porter mes dessins à la rédaction. En revenant du service militaire en Algérie, j'ai eu la chance de rencontrer Fred, qui m'a présenté à Cavana. Et ça s'est enchaîné comme ça. J'ai fait partie d'une équipe, donc j'ai bénéficié d'une émulation avec... Il y avait déjà Topor et Rezer à l'époque. Mais de toute façon, le dessin politique s'est imposé tout de suite à vous. Il n'y a pas eu d'hésitation? Non, parce que c'était dans la foulée de l'Algérie. J'avais des choses à dire, ou j'avais des choses sur le cœur, c'est vrai. On n'a pas beaucoup vu des causes aboutir. Oui. J'en ai vu une, c'est les tribunaux militaires qui ont été abolis. Dans certains pays, on ne peut pas représenter les gens du pouvoir, par exemple. Dans tout le Moyen-Orient, il n'y a pas une culture de la caricature et en Iran, vous ne pouvez pas représenter le président iranien. Et Cabu d'ajouter qu'en France, depuis qu'il dessine, notamment ici pour Charlie Hebdo, le champ de la libre expression ne s'est pas rétréci, à une exception près. Le poids des religions, des intégrismes de toutes les religions, ça n'existait pas trop il y a 20 ans et ça c'est nouveau évidemment. Ils nous font des procès, ils nous font des menaces parfois, et ça on ne peut pas l'accepter. Vous, Capu, vous avez reçu des menaces? Oui. Quand, au moment du procès des caricatures danoises, vous savez, qu'on a publié, j'étais protégé par la police.
Ça vous fait rire, mais c'est pas drôle. Ça fait rire, oui. Mais j'étais tombé. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré 3 semaines seulement. Mais actuellement, je peux vous dire que Rhys, Charb et Luz sont toujours protégés par 2 policiers chacun. Donc ils sont toujours menacés. Il y a toujours des menaces de mort. Pour un dessin, vous vous rendez compte ? Émanant de qui ? C'est pas signé, on sait d'où ça vient quand même. Est-ce qu'on peut rire avec l'inceste ? Est-ce qu'on peut rire avec la mort, la maladie ? Oui, pour désamorcer, pour ne pas dramatiser et montrer le grotesque de toutes les situations, même est-ce qu'il vous est arrivé de faire des dessins particulièrement méchants et que vous avez regretté ensuite en disant là je suis quand même allé un peu fort ? Non, non. Jamais. Jamais. Attendez, oui, il y a Chevènement qui se présente là, lui il me fait peur parce qu'il est trop nationaliste. Et j'ai fait un dessin récemment, même la mort n'en a pas voulu, vous n'allez quand même pas voter Chevènement. Tu dois te mettre plie la valise, fais la valise et oublie pas les gilets pare-balles. Cercueil. Je pense que on continue à le faire évidemment, mais on va pas se prendre pour des héros non plus. On essaie de faire rire d'abord. Voilà. Ouais. On est toujours étonné parce que on veut faire rire et on nous menace de mort. C'est quand même. Incroyable, hein. Ouais. Parce que le corollaire du titre de votre livre « Peut-on encore rire de tout ?», c'est surtout « Pourra-t-on encore rire de tout ?» Oui, 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 c'est ça. Mais je pense qu'en France, on peut encore rire de tout. On n'est pas en Iran, on n'est pas en Corée du Nord, vous voyez. Il faut maintenir ce niveau d'esprit critique. Mais écoutez, il y a des jours où on dit qu'est-ce qu'il y a comme imbécile sur la Terre ? On n'arrivera jamais à changer les choses. Puis il y a des jours où on est un peu mieux et on se dit... Il y a peut-être un espoir, peut-être que les jeunes vont changer le monde et tout ça. Et en ce moment, c'est mal parti. Mais... Dans une chanson comme Terre, Terre, oui c'est toi, Terre, Terre, qui donne la joie. Comment ça s'appelle en français, le côté ensoleillé de la rue. Et c'est un bon slogan d'ailleurs, il faut dessiner pour montrer quand même qu'il y a un côté ensoleillé de la rue. Des masques en gendarmes déguisés, sous le char de la tarasque, il ne pense qu'à s'amuser. Il entraîne dans la ronde, lui rabattent les jupes sur le nez. Ils lui disent qu'elle n'est pas blonde et font mine de l'assassiner. Une danse, ça commence, on ne sait pas non quand ça finit. Une belle ribambelle peut durer l'ami de la nuit. Surtout quand une poursuite se transforme en farandole et qu'il faut quitter de suite le corso pour la gondole. Le grand canal en fait nous invite à nous espaudir. À présent, pressons la tête, attention, c'est le fond du soupir. La nuit passe, on s'enlace, on est seul sur le banc de bois. Merveille, sans ta vieille, je suis plus heureux que Simba. Mais que dis-je, quel prodige, nous voilà vite cernés. Et tes doges nous délogent en criant venez, venez. Bonheur et de tout âge, mes amis, nous vous invitons. Venez voir le beau mariage, nous deux vieilles et d'un pire au fripon. Prends ma fille, elle est gentille, dit la vieille, regarde-moi. Folle, je convole, oui j'épouse un masque de joie. Mais le ciel se fait tout rose, je me sens décontenancé. Je ne voulais pas tant de choses, juste un petit peu amusé. J'embrasse la fille en larmes, elle me dit je m'appelle Sido. Je serre la main de gendarme, bien bonjour, je m'en vais au dodo.